La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, à La Rochelle et Rochefort. 6000 euros. Donc on va enchaîner sur les petits 6000 euros. Donc aujourd'hui, plus particulièrement, le 6000 euros animaux et le 6000 euros animaux sauvages. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe le 6000 euros conte, le 6000 euros histoire et le 6000 euros mythe. Et là, c'est les deux petits derniers qui sont sortis. Donc on va vous présenter ceux-là essentiellement. Donc 6000 euros, c'est un petit jeu coopératif de 2 à 8 joueurs pour des petites parties de 10 minutes. Distribué par Gigamic et un jeu de Ajmal H, Pierluzza Zizi et Martino Ciacira. Je pense qu'on est tout côté espagnol. C'est ça. Donc, 6000 euros, c'est un petit jeu coopératif où on va devoir tous ensemble, il y a un joueur qui va devoir faire deviner aux autres un personnage, un animal, un personnage de livre, d'histoire, voilà, tout dépend le thème de la boîte que vous avez. Je vous propose de commencer avec les animaux. Illustrés par Nayad. Oui, très important parce que ce sont des très très beaux dessins. Ah, franchement, très très jolis. Alors, ouverture facile. Merci, Gigamic. Hein, ouverture facile, on dit toujours, hein, normalement ça doit fonctionner. Donc, le tout. Ouais. C'est bien trouvé. Hop, c'est bon. Tac, 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 bon. Donc animaux, ça va être 6000 animaux, là pour commencer, c'est une mise en place qui est vraiment très très rapide. Oui Valentine, c'est un de mes jeux préférés. Mais toi aussi, je sais que tu l'aimes bien. Donc 6000 euros, mise en place très rapide, on va simplement retourner 12 cartes. Donc on va faire 3 lignes de 4 cartes. Hop. Et nous avons sur ces 4 cartes là... des animaux. Au préalable, j'ai regardé une carte pour savoir quel animal je devais faire deviner à mes coéquipiers. Je vais commencer, si ça vous va, pour vous faire deviner. Donc, il y a une de ces 12 cartes que je vais devoir vous faire deviner, mais pas directement. En fait, on va procéder par élimination. Donc, je vais vous donner des indices sur 4 manches. Premièrement, vous allez éliminer un personnage, que vous pensez ne pas être celui que je vous fais deviner. Deuxième manche, on en éliminera 2. Troisième manche, on en éliminera 3. Et quatrième manche, on en éliminera 4. Il en restera encore 2, vous aurez un nouvel indice et il faudra éliminer le dernier pour retrouver le personnage que vous faites deviner. Donc il ne faut pas retourner le personnage que je suis en train d'essayer de vous faire deviner. En fait, on va procéder par élimination un peu comme au quiz. Ok. Ok. Ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est que les indices que je vais pouvoir vous donner, ce sont d'autres cartes d'animaux. Ce sont d'autres cartes d'animaux, comme par exemple, je pourrais donner un indice en montrant une grenouille. Et cette grenouille, je pourrais vous la montrer soit... à la verticale pour vous dire qu'il y a une similitude entre cet animal-là et l'animal que j'essaie de vous faire deviner, okay. Ou à l'horizontale pour vous dire que quelque chose les oppose. Ça va être après à vous d'analyser, moi je ne pourrais pas vous donner mon avis. Est-ce que c'est le fait que ce soit un oiseau, que ce soit un animal à quatre pattes, un animal qui soit grand, qui soit petit, qu'il ait des grandes oreilles, des petites oreilles, qu'il soit doux, qu'il ait pas de poils, qu'il ait des plumes. Les possibilités, elles sont énormes. Ok ? Donc là, moi j'ai 5 cartes en main, je vais en choisir une pour vous donner un indice, pour vous faire deviner le personnage, enfin le personnage, l'animal que je suis en train de vous faire deviner. Et je vais donc le mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale, et vous allez décider d'éliminer un personnage. La première manche est assez simple. Alors, celle-ci, je vais la mettre donc à l'horizontale, ce qui veut dire qu'il n'y a rien en commun entre cet animal-là et l'animal que je vous fais deviner. Okay. Vous pouvez vous concerter entre vous pour décider d'éliminer une carte et donc de retourner une carte afin de réduire la liste de suspects, on va dire. Okay. Déjà, c'est pas un oiseau, c'est ça? C'est ça. Donc on peut éliminer soit celle-ci, soit celle-ci. Ouais. Ouais, oui, je suis assez d'accord. Ouais. Le pivet, on voit. N'importe. Celle-ci. Donc on la retourne ? Voilà. Ok. Donc moi, je vais reprendre une nouvelle carte pour avoir toujours 5 cartes en main. Et je vais vous donner un nouvel indice. Okay. Celui-ci reste visible. Comme ça, vous allez pouvoir croiser tous les indices que je vais vous donner. Ok. Donc là, vous allez devoir éliminer 2 personnages. Donc je vais vous mettre celle-ci
à la verticale. Donc pour vous dire qu'il y a une similitude entre cette carte-là et la carte qu'il faudra retrouver à la fin. Et donc là, il va falloir faire une sélection et choisir deux personnages, enfin deux animaux, pardon. J'ai l'habitude de jouer avec celui des cons. Deux animaux que l'on retourne. Moi, je proposerais Loi. Retourner ? Oui. Bah, tout à l'heure, on hésitait entre Loi et le Ah oui, c'est vrai, bah oui. Donc Loi, on peut le retourner. Bah, oui, complètement. Et après, pas de similitude avec... Enfin, de la similitude avec un écureuil. Pas moi, je dirais qu'on peut enlever le serpent. Bah oui, je pense oui. C'est le seul. De toute façon, si je ne vous arrête pas quand vous avez retourné les cartes, c'est que vous n'avez pas retourné. Oui. C'est ça. Pour l'instant, j'ai rien dit, ça va. Ok. Hop. Alors. Après, ouais, là, ça va parce que c'était le démarrage. Donc, il y aurait une similitude entre mon personnage, ma carte et le hérisson. Okay. Et là, il faut qu'on en élimine. Et là, il faut en éliminer 3, parce qu'on est à la troisième manche. Oui, sinon, c'est pas drôle. Moi, je pense pas. Peut-être que la similitude, elle est sur la taille de l'animal, là. Peut-être. Non ? Parce qu'il n'y a pas d'autre. Comme autre similitude, là, parce que là c'était similitude et similitude. Mmh. Est-ce qu'elle a optionné pour la taille? Ouais. Moi j'ai une petite idée déjà, mais après. J'ai deux. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Est-ce que tu vois autre chose? Dis-moi. Pas du tout. D'accord, super. Mis à part qu'un hérisson, bah, ça pique. Oui, mais c'est des animaux de petite taille tous les deux. Ouais. L'écureuil, c'est pas très grand. Le hérisson pas très grand, bon la vache, le cheval, le mouton, l'âne, voilà. Ok, bah, la vache, le cheval et l'âne là. Allez, t'es okay. Comme ça toi. Hein, c'est... Hop. Tout qu'on fait, c'est on va faire ça. Bon, ça c'est comment ça. Et là ça va se lancer. Parce que là avec mon indice, il faut que vous arriviez à retourner 4. Et il faut pas retourner le bon. Et forcément, il faut que je me débrouille avec ce que j'ai dans la main. Qui ne correspond pas forcément à ce que c'est ça. Qu'il me faut. Mais tu es excellemment bonne dans et est-ce que vous allez, type de jeu, donc tu vas forcément pouvoir nous donner une carte qui va tout de suite nous connecter sur cet indice. Ou pas. Oh, ça peut... Ah non. Moi j'ai dit qu'il y en a déjà deux qu'on peut aussi éliminer. Ouais. Si cet indice-là qu'on a trouvé de petite taille est valable. Que tout ce qui reste là, il y en a 4, c'est des petites tailles. Le cochon, ouais. C'est pas une petite taille, hein. C'est trop lourd. Le mouton non plus. Ben, c'est 4 qu'il faut qu'on écarte, donc je pense qu'on peut déjà proposer celle-ci après, ouais. Et puis voir ce qu'elle va nous proposer. Un putois. Un putois. Donc ça a une similitude. Un putois. N'oubliez pas que je fais ce que je peux. Là, vous devez en choisir 4 à retourner. Bah, pensez bien à croiser du coup vos indices, évidemment. On retourne le cochon et le mouton. Ouais. Ouais. Et en vrai, après, je dirais. Tu fais avec ce que t'as. forcément. Ah, je crois savoir. Je pense qu'on peut éliminer le chien et la souris grise. Mm-hmm. Ou le chien et... Non, le chien ou la souris grise. Ah non, il y a plutôt le chien et le lapin. Je sais pas. Je dirais le chien et le lapin. Moi, j'axe sur la queue du putois. Si je vois pas autre chose. Bon, le chat, il a une grande queue. Mm-hmm. La souris, elle a une grande queue. Ouais. Ces chiens-là, ils n'ont pas une grande queue. Les lapins, ils n'ont pas une grande queue. Ouais. Non, mais c'est très, 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 très... Ouais, mais le hérisson, c'est pareil, alors. Non, parce que je pensais qu'on était sur la petite taille. Ah, les oui. Indices peuvent changer à chaque fois. Ah, hein. Oui, c'est vrai. Enfin, ça réflexion par rapport à ça. Et toi, tu vas me dire, j'en sais rien.
J'ai du mal. On peut tenter ça, hein, de toute façon. Donc chien souris ou chien lapin? Chien lapin? Ouais. Si, la logique voudrait que ce soit... pour moi, j'enlèverais... La souris et le chien. Je sais pas pourquoi, mais le chien, j'ai pas très envie de l'enlever. Tu veux pas enlever le chien? Non. Donc on enlève la souris déjà? Oui. Bon. Elle a pas hurlé, donc c'est bon signe. Allez. Et là, faut qu'on en enlève combien là? Bah là, il en reste encore un à enlever. Sur les quatre. Faut bien enlever quatre. Ouais. On enlève trois, on a enlevé les gros là-bas. Donc si. Ah oui, mais moi j'ai donné un critère de grande queue, mais c'est pas forcément le bon. Hein. Ouais. Après, si tu as une autre idée, je suis preneur. Hein. Je réfléchis. Là, si on part du principe qu'un putois ça pue. Oui. Ça sent mauvais, hein, un chien aussi. Ouais, un chien aussi, d'accord. Super. Merci pour le chien. Ça peut être une forme d'indice. Hein. Oui, ouais, ça peut être aussi. Tout est interprétable. Alors, tu garderas le chien, toi. Pendant qu'ils réfléchissent, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On se fait une petite partie de 6000 animaux, un petit jeu coopératif. Le chat, pour toi, non. Où j'essaye de leur faire devenir un animal. On peut le retourner, je pense. Bon, alors, on retourne le chat. Bon, c'est plutôt bien passé pour cette manche-là, vous n'avez pas éliminé le personnage. C'est vrai? Ah bah c'est cool. Enfin, la carte en question. Ouais, c'est chaud alors. Je vais donc vous donner un dernier indice. Une similitude. Le castor. Oh, bah c'est le lapin. Oui, là c'est qu'il faut la retourner, c'est ça? Là, vous devez encore retourner celle que vous éliminez, et il restera normalement plus que la bonne. Alors moi, je crois que c'est le lapin le bon. Il y a quand même une similitude entre les deux, là. Hein. Oui, bien sûr, mais... Là, lapin et castor. Du coup, là, on continue à éliminer. Pour garder la dernière. Il faut garder la dernière qui soit la bonne. Donc, j'ai dit, je pense que la bonne réponse, c'est le lapin. La bonne réponse du jeu. Si vous pensez que c'est le lapin le bon, il faut retourner le chien. Retourner si vous pensez que c'est le chien le bon, il faut retourner le lapin. Ok, donc celui qui a une similitude avec, c'est celui... On doit retrouver. Ok, bah oui, bah, c'est un bon jeu. Donc le chien. Ok. Félicitations. Ah, j'ai eu peur sur cet indice-là, parce que du coup, ah oui, mais c'est pour ça que c'est important. Sur éliminer souris et chien, c'était mon raisonnement dans le sens où lui avait un peu l'âge. Et du coup, le chat et le lapin avaient un peu l'âge doux. Et c'est vrai que le carlin... Moi, je suis resté fixé sur cette histoire de grande queue. Et c'est vrai aussi, parce qu'ils ont tous les deux une grande queue. Et ça aurait pu me permettre de faire éliminer ces deux-là. Une petite queue courte ici. Et là, le putois, il a toujours une queue aussi en panache. Donc ça, c'était... J'aurais pu m'en servir pour vous faire, en le mettant comme ça, pour vous faire éliminer ces deux-là. Vanessa a eu un coup d'éclair. Et elle m'a dit, non. c'est pas ça, Yves, c'est pas ça. Et du coup, ça au début, c'était pour bien accentuer la petite taille. Là, c'était pour vous permettre d'éliminer les oiseaux directement. Ouais. Et là, ça vous permettait d'éliminer tous les gros animaux, chevaux et tout. Non, très sympa. Vraiment, vraiment, ce Similo, c'est sous toutes les formes, avec des belles illustrations, c'est vraiment très sympa. Est-ce que vous voulez essayer de faire une petite partie avec l'animal sauvage? Allez. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Allez, on en fait. Ce sera toujours les mêmes règles. C'est très court en même temps. Hein. C'est ça. Et on peut jouer de 2 à 8. Et c'est un petit jeu qui est très sympa à 2. Parce qu'à 2, on joue en asymétrie. Et du coup, c'est aussi sympa. Mmh. On joue à 8. Il y a de l'échange entre les joueurs qui trouvent. Mais si on joue à 2, on a un petit jeu asymétrique qui est vraiment très très chouette aussi. Elles ont été mélangées? Bah, c'est pas très grave en même temps, hein, parce que c'est... Donc alors attends, parce que dans l'autre sens, j'ai choisi au pif, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans les 12, je mélange un peu. Tu vas regarder la carte que tu vas devoir me faire deviner, si tu veux bien faire deviner, si c'est bon. Je la remélange. Ok, voilà. Hop, et c'est parti. Oh, le fond, il est trop mignon. Oh, donc là, on est sur les animaux sauvages. Le tatou aussi, hein, le tatou. Bon courage, Pascal, qui retourne bosser. Merci d'être passé nous voir. Et à très bientôt. Ok. Hop, tu prends donc 5 cartes, qui sont tes cartes indices. Okay. Hop.
Alors, vous savez que si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez très bien mettre les animaux sauvages au milieu, prendre D'accord. des indices d'animaux classiques, prendre des indices de contes, de mythes, d'histoires, on fait comme on veut. Hello Laurent, qui vient d'arriver. On espère que tu vas bien. Salut Laurent. On se fait des petites parties de 6000 €. On a commencé avec le Dragon Park, les extensions du Draftosaurus, et maintenant on est sur 6000 €. On présente les deux nouveaux, donc animaux et animaux sauvages. Et du coup, Vanessa, elle galère à nous trouver des indices. Ah ouais, non, là, c'est chaud. Donc n'oublie pas que les indices, ils ont un rapport avec celui de la fin. Et ils nous permettent d'éliminer aussi d'autres. Si je pose une carte comme ça, c'est que mon personnage n'a aucun rapport avec cet animal. C'est ça. Ok. Ouais, bah là, ça va être... Aucun rapport, ou que quelque chose les oppose de très flagrant. Après, on fait un peu comme on veut. Ouais, ok. Mais le but, c'est que tu nous fasses trouver, parce que tu es dans notre équipe. Le koala, il est donc là déjà, c'est le koala. Ça n'a aucun rapport. Mon animal n'a aucun rapport avec le perroquet. Ok. Donc là, on se dirait qu'on pourrait déjà, par exemple, éliminer les oiseaux. Par exemple ? Par exemple. Ouais. Mais du coup, lequel ? Parce que là, on n'en a qu'un à éliminer. Mais du coup, ça veut dire qu'on pourra se laisser les autres pour après. Bon, déjà, on prend le risque à éliminer le toucan. Ouais. Allez, le toucan. Ok. Donc là, je repioche une carte ? Oui. Pour en avoir toujours 5. Comment je vais vous faire deviner ça, moi? Et pour jouer avec des petits, parce qu'on peut jouer dès 7 ans, sur le côté, on a des petites informations. Par exemple, là, je suis sur l'iguane, il y a marqué « reptile herbivore des régions tropicales d'Amérique ouais. ». Il possède une excellente vision. Et pour les enfants, ça peut déjà permettre d'apprendre des choses et nous aider dans les indices. Quand on est un peu plus petit, au moins, on sait que lui, il voit bien, lui, il voit pas très bien, lui, il mange plutôt ça, lui, il est plutôt avec des plumes, etc. Ouais. Et je peux poser combien de cartes en tout? Là, t'en poses une. C'est une par manche. Donc là, en tout, il y en aura 5 de poser. Ok. Voilà. En sachant que là, nous, on est bien ok sur le fait qu'on va enlever des oiseaux. Ouais, déjà. Désolé, hein. Ça aucun... C'est toujours par un oiseau. ouais. Donc on va en enlever deux. Là, ça compliqué. Donc on va, par exemple... Soit on peut enlever le vautour, le colibri ou le flamant rose. Tu préfères qu'on enlève lequel? Deux, on enlève. La chauve-souris, on peut enlever aussi. On enlève deux. On peut aussi enlever la chauve-souris. Mais après, je me dis, là, tu vois, il y a les becs. Ouais, non, la chauve-souris a des ailes. Donc, elle n'aura pas de rapport avec ces deux-là. Bon, de toute façon, on a le choix entre ces quatre. Tu veux qu'on commence par lesquels? N'importe. On va rester sur cette ligne. Ouais, cette ligne, c'est pas mal. Il nous reste encore des plumes. Là, on a pas mal de petits reptiles quand même. Ouais. Donc là, Laurent, pour les petits indices, ils servent tout à fait aussi pour les adultes. Ouais. Surtout dans, par exemple dans les contes, quand on n'a pas tout, ça nous identifie quelconque. Si on n'a pas toutes les références. Ouais. Ouais, c'est clair. Pas sûr qu'on soit tous experts en tout cas, c'est vrai. Ou même en dragon de Komodo. Je vais mettre ça, tant pis. Donc là, il y a quelque chose en commun. Quelque chose en commun. Chance. Ok. Donc soit c'est la peau. Ouais, je pense. J'aurais dit, soit c'est la peau un peu rugueuse. Ouais. Donc je pense qu'il y a pas de truc. Malheureusement, on peut. Bah déjà, de toute façon, les deux oiseaux en même déjà, temps. Déjà, là, on en a trois éliminés. Donc on va déjà commencer par les deux oiseaux. Ou alors on les laisse et puis on en élimine d'autres, c'est pareil de toute façon. Oui, c'est ça. Non, on a le 3, on peut commencer les oiseaux. Ouais. Les oiseaux, on prend pas de risque. Et puis moi, j'éliminerai des trucs à poil. Ouais, le panda, soit koala, le panda ou panda. Koala, ouais, aussi. Je pense. Parce que ça aurait pu être le fait de la corne, mais ils ont pas de corne. Non, mais je suis assez d'accord. Plus le fait que ce soit la peau. Koala et panda, enfin, ou panda, n'importe. Moi, ouais, le panda, on va le garder un petit peu encore parce qu'il est mignon. Bon, koala aussi. 3, 4, 5. Bon, rhinocéros, ça nous ouvre des portes sur d'autres aussi. Hein. Et ce jeu, c'est vrai que si vous n'avez pas les bons indices en main, c'est pas facile. Okay. Mais c'est vraiment rigolo. Il est joli aussi le rhinocéros, hein, t'as vu ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Une carte, c'est tout. Ouais. Un indice. Bon, on est pas mal là. Ce qui est dur aussi, c'est bien de regarder tous les animaux que vous avez pour, dans les indices,
va être plus évident vers un autre animal. Et du coup, il faut faire attention à ça aussi. À se dire, est-ce que pour si pas je mets que ça perturber penser à ça et oublier notre raisonnement précédent. C'est ça. Voilà. Donc, quelque chose qui les oppose avec notre gorille. Je parlerai de taille, peut-être. Oh, c'est que des petits machins. Ouais, alors le mammifère herbivore d'Afrique habitant les forêts tropiques, c'est le plus grand des primates. Bon, déjà, on sait qu'on va enlever le panda. On peut l'enlever tout de suite. Ouais. On en a 4 à enlever là. Ouais. Ah, c'est chou patate. Et là, ça se corse. Là, je pense qu'il faut qu'on croise. Rien à voir avec le gorille. Et une similitude avec le rhinocéros. Donc. Ah, c'est chaud ça. Moi, je dirais qu'il faut enlever le tatou, mais. Oui. Il peut y avoir une similitude avec le tatou et le gorille. Essayez-vous jamais vous retournez la carte. On a perdu. Donc je vous le dis. Oui, tu nous dis. Ah oui, tu dire. Bah oui, tout ah bah vous l'avez retourné au premier tour. non, c'est bon, là pour l'instant, vous l'avez dragons. Encore. Alors, les gorilles, c'est costaud, c'est grand. Donc, caméléon, on peut enlever aussi. Alors, pour répondre à Clint, l'animal, il est donné au hasard au début. En fait, on choisit 12 cartes. Et ouais. Avant de retourner les 12 cartes, on lui en montre elle une en a, au elle hasard. En a choisi une. Du coup, c'est un imposé parmi les 12. Après, pour mettre ce qu'il parle du serpent, que si c'était le serpent, on aurait pu mettre que des trucs à pattes en opposition. Mais du coup, ça aurait pu peut-être nous indiquer vers autre chose. C'est ça qu'il faut faire attention aussi. Enfin, bon, moi, je dirais le tatou, le caméléon. Moi, je suis ton instinct. On a déjà enlevé le panda. Mmh. Bon, déjà le tatou, on était tous les deux d'accord. Ouais. Le caméléon. Vous avez perdu. Ah, c'est le tatou. Oui. D'accord, ok. Mince. Bon, bah voilà. Ah, bah, elle a perdu, on était tous les deux d'accord pour perdre. Mais on a perdu tous les trois, en fait. La similitude, c'était évidemment la peau dure. Ouais. Donc, c'est vrai que... Ah ouais, on n'est pas resté là. Puis les oreilles aussi. Les petites oreilles. Voilà, c'est ça. Et là c'était surtout pour ce qui ne monte pas aux arbres. Enfin, ah ouais, on est parvenu sur cet indice. Qui ne monte pas aux arbres. Et c'est vrai que ça monte aux arbres. Ça, ça monte aux arbres. On est parvenu sur les indices. Sur l'autre indice d'avant, on aurait dû... Ah, puis c'était pas avec le truc de... On aurait dû être plus performant sur la peau, parce qu'en plus, tu avais soulevé, effectivement, tu m'avais dit, sur la peau, et du coup, on est pas revenu là-dessus. Ouais. Et puis, c'est vrai que lui, j'avais pas pensé au fait qu'il monte aux arbres, mais du coup, c'était pas mal comme type de raisonnement. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, voilà pour aujourd'hui. Ouais, j'aime bien. Merci d'avoir été avec nous. Ouais, très sympa, une belle découverte de jeu. J'espère que ça t'a plu, Marie-Jean. Ouais, j'adore les animaux, donc c'est parfait. C'est vraiment belle, les images. Elles sont sympas. Ouais. Merci à Clint, encore une fois. Oui, ouais. L'homme de l'ombre. C'est ça. Et merci à... Des fois, il sort de l'ombre, il vient sur la table de jeu. C'est ça. Merci à nos coéquipiers qui sont en boutique. En boutique, exactement. Merci à nos clients qui nous suivent, qui nous suivent sur Internet, qui nous suivent en boutique. Merci à vous d'être là. C'est grâce à vous. À très bientôt. Et puis, on se retrouve mercredi prochain. De toute façon, tous les mercredis, 14h30, live. Mercredi prochain, on vous présentera des jeux à deux. Peut-être parce que c'est la Saint-Valentin dimanche prochain. Ouais. En tout cas, on fera une opération à ce moment-là. Donc, on vous en reparlera plus en détail dans les jours qui viennent. Surveillez et on vous lancera Facebook ce week-end. On vous lancera une petite vidéo sur une présentation pour la Saint-Valentin, sur une sélection de nos jeux. Voilà. Merci encore. Merci à très bientôt. Bonne fin de journée, bonne semaine. Au revoir. La grosse boîte, boutique et café-jeux. Sur place ou à emporter, découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte, à La Rochelle et Rochefort.